Bonjour à toutes et à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. Alors ce mois de septembre a été très 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 excitant. Nous sommes maintenant en octobre, donc euh, il est temps de faire un bilan sur les actualités de septembre. Euh, ce mois de septembre donc, a été vraiment très excitant en matière de découvertes. Euh, la première d'entre elles euh, est certainement l'une des plus marquantes, c'est l'annonce faite dans The Siberian Times. Euh, l'équivalent du Times du journal Times en Sibérie euh, de, euh, de la découverte donc d'un ours des cavernes complètement préservé dans la glace. Donc le, le pergilisol sibérien euh, qui préserve des, des mammouths et récemment on y a même découvert des, des bébés lions euh, des lions des cavernes et bien maintenant vient de nous donner ce premier spécimen complet d'ours des cavernes, euh, complètement préservé, gelé dans le pergélisol sibérien. Et vous voyez, la conservation est magnifique. Enfin, ça a vraiment une bonne tête d'ours, hein, pour le coup. Euh, et il y a même un bébé ours qui a été découvert non loin de là où on a découvert l'adulte. Alors, ce n'est pas le bébé de cet adulte-là. Hein. Ils n'ont pas été retrouvés directement ensemble, mais ils ont été retrouvés à peu près dans, la même, dans le même coin de la Yakoutie. Donc, cette province au nord-est, extrême nord-est de la Sibérie. Donc, vous euh, voyez, c'est sur les bords des rivières, donc pendant que le pergilisol euh, fond en fait et que la rivière érode le, le, bord, de, le bord du pergilisol sur ses berges, c'est là que se trouvent tous ces, ces mammouths, euh, ces rhinocéros laineux aussi qu'on a trouvés, on a trouvé des chevaux aussi euh, euh, gelés de cette façon. Et donc là, c'est la première fois qu'on retrouve un ours gelé dans ce pergilisol. Alors, euh, la date de cet animal, pour l'instant, euh, il n'est pas daté euh, vraiment de façon euh, carbone-14. Ils n'ont pas encore eu le temps de faire une datation carbone-14 dessus, mais en gros, euh, il daterait de 22 000 à 39 000 ans, euh, d'après la formation géologique où on le trouve. Donc, il faudra voir, euh, il faudra voir avec le carbone-14 ce que cette date donne, euh, si ça confirme l'âge en question on peut tout à fait dater ça au carbone 14 puisque c'est des, euh, des tissus organiques donc très riches en carbone euh, et on va certainement apprendre beaucoup beaucoup de choses avec cet animal on ne sait pas encore euh, ce qu'il en retourne puisque effectivement euh, the siberian times n'est pas un journal scientifique donc il faut, il faut raison garder quand même face à cette, euh, à cette annonce the siberian times n'est pas un journal scientifique c'est juste un journal euh, c'est juste un journal normal, quoi. C'est comme Le Monde, Le Figaro, bref. C'est juste un, un journal. Euh, c'est donc une annonce très, très, très préliminaire. C'est juste une annonce qui dit on a trouvé un ours des cavernes. Voilà. Et c'est tout. Et même là-dessus, il va falloir prendre des pincettes parce que euh, sur Twitter, évidemment, il y a eu des réactions. Donc, encore une fois, c'est pas publié, ces réactions. C'est juste sur Twitter. Mais sur Twitter, il y a eu des réactions très, très, très pertinentes quant à l'identité de, de cet ours, euh, notamment des gens qui ont dit que possiblement il s'était peut-être un peu jeté enfin il s'était peut-être jeté un peu vite sur l'identification en tant que ours des cavernes euh, notamment parce que voici donc euh, enfin voici la distribution de Ursus Speleus, donc l'ours des cavernes et d'autres ours qui vivaient à la même époque que l'ours des cavernes en Asie en Eurasie donc l'ours des cavernes on le trouve en Espagne on le trouve en France évidemment euh, on en trouve aussi un petit peu vous voyez dans dans le, plus à l'est, dans les régions tempérées. Donc c'est une espèce qui vivait plutôt en région tempérées. Donc le trouver si haut, euh, en, enfin le trouver euh, en Sibérie, déjà c'est un peu surprenant. Et quand on regarde du coup où se trouve le, le site où cet ours des cavernes a été, euh, a été découvert, cet ours euh, gelé, eh ben, il est complètement ouais, à l'extrême nord-est de la Sibérie. Donc c'est sur c'est non loin de je me demande même si c'est pas directement sur l'île de Wrangell. Donc là où ont on survécu les derniers mammouths, si c'est pas l'île de Wrangell directement, c'est vraiment juste à côté quoi, c'est pas loin. Et et donc c'est voilà, c'est pas du tout dans la dans la zone de distribution de l'ours des cavernes qui comme je le disais a, a une distribution plutôt euh, beaucoup plus basse au final. Donc euh, un climat qui est quand même un peu plus euh, un peu plus agréable. Bon après, comme je disais, ça dépend aussi de l'âge puisque à la fin de la, de la période de, du dernier maximum glaciaire, l'île de Wrangell, c'était à peu près le seul endroit où il y avait encore un climat où la faune, où la mégafaune glaciaire pouvait encore survivre. Donc ça va beaucoup aussi dépendre de l'âge. Mais sachant que le spécimen est daté entre, donc ce qui nous disait dans le Siberian Times, c'était entre, enfin entre 39 000 et 22 000 ans, on est loin de la fin du, du dernier maximum glaciaire. La, la fin du dernier maximum glaciaire, c'est entre 15 000 et 10 000 ans. Et c'est là, justement, que l'ours des cavernes a disparu. Donc, euh, il y a entre 22 000 et 40 000 ans, cet endroit-là, au nord de la Sibérie, on se pelait les miches. <laughs> voilà. Donc, il faut raison garder face à, te, face, à cette, euh, face à cette annonce. Un ours des cavernes, ce serait super cool. Un ours brun, ce serait bien aussi. Ou un ours polaire, pourquoi pas, ce serait bien aussi. Euh, D'autant que je ne crois pas qu'on ait des masses de fossiles d'ours polaires, pour le coup. Euh, ou une de ces espèces-là, Ingressus ou Deningeri, par exemple, ce serait cool aussi. Euh, D'ailleurs, il y aurait plus de chances que ce soit Deningeri, puisque c'est le seul qu'on trouve dans cette région-là, euh, à l'état de fossiles. Donc, et si c'est un ours des cavernes, c'est la première fois qu'on retrouverait un ours des cavernes aussi loin. Donc il faut, bah, il faut voir ce que ça va donner. Donc euh, analyse au carbone 14 pour savoir euh, l'âge de ce fossile, enfin de, de cette carcasse, et analyse ADN pour savoir exactement l'identité de cet animal, puisque de l'ADN d'ours des cavernes, nous en avons. Euh, nous en a, au moins de l'ADN mitochondrial du moins. Donc ça, de l'ADN d'ours des cavernes, on en a. Même si on n'en avait jamais retrouvé avant euh, gelé dans le pergilisol, on a quand même quelques spécimens euh, en Europe qui ont donné de, un peu d'ADN mitochondrial extrait directement des dents fossiles. Donc on pourra identifier de quoi il s'agit. Donc pour l'instant restons prudents. Ce n'est toujours pas publié dans une revue à un comité de lecture, mais ça ne saurait tarder. Du moins on l'espère que d'ici euh, d'ici un ou deux ans on en saura plus à propos de cet ours des cavernes. L'autre grosse news, ça a été la découverte d'un nouveau sélacanthe, une nouvelle espèce de sélacanthe. Donc, le sélacanthe, c'est ce fameux gros poisson dont on dit qu'il est un fossile vivant. Eh bien, voici une nouvelle étude qui démontre que non, le sélacanthe n'est pas du tout un fossile vivant. Déjà, c'est au moins trois fossiles vivants. Donc, une espèce qui vit euh, sur, au large des côtes euh, sud-africaines, une espèce qui vit en Indonésie. Donc, voici la distribution des sélacanthes. Donc euh, avant cette, euh, cette étude, la publication de cette étude, on, on connaissait une espèce qui vivait au large des côtes euh, sud-africaines, on connaissait une espèce qui vivait en Indonésie et maintenant on vient de découvrir une seconde espèce qui vit en Indonésie, qui n'a pas encore reçu de nom officiel parce qu'elle n'est connue pour l'instant que par un spécimen. Donc le sélakanthe, ce n'est pas un fossile vivant déjà, c'est trois espèces. Euh, et ce ne sont pas du tout des fossiles vivants, puisque maintenant qu'on peut reconstituer un arbre évolutif des là avec euh, trois espèces, voici à quoi il ressemble cet arbre évolutif. Et donc on voit que, le sélacante, euh, enfin, que les sélacantes déjà sont apparus euh, au Carbonifère. Donc la, la grande famille des sélacantes apparaît au Carbonifère. Euh, là, on a tout un tas de fossiles donc, euh, qui sont manquants. Et que donc les sélacantes modernes, eux, ils ne datent pas du tout du carbonifère. Vous voyez que la divergence des espèces de sélacantes modernes, donc ici vous avez euh, les Sud-Africains et ici vous avez les deux espèces indonésiennes, euh, dont la nouvelle espèce ici, qui est, euh, ici ils ont leur numéro, ils ont leur petit code barre, c'est leur numéro de spécimen, mais euh, bon, voilà, ici c'est sélacante euh, indonésien, nouvelle espèce indonésienne et sélacante Sud-Africain. Et leur ancêtre en commun vivait au milieu du Cénozoïque. C'est-à-dire que quand on vous dit que le sélacanthe est une relique du temps des dinosaures, l'ancêtre en commun des espèces modernes de sélacanthe n'a jamais vu le moindre dinosaure. Les dinosaures, enfin, n'a jamais vu le moindre dinosaure non avien, évidemment. Encore que pour voir des oiseaux là où vit le sélacanthe, c'est un peu compliqué. Mais bref, les dinosaures s'éteignent ici, non avien, c'est là qu'ils s'éteignent, et voici où apparaissent les sélacanthes modernes. Milieu du cénozoïque. Hein. Donc euh, les, les sélacantes ne sont pas plus vieux que la plupart des espèces, de, des genres de mammifères modernes. Donc déjà ça, il faut quand même bien se l'enfoncer dans le crâne. Fossile vivant, caca. On arrête d'appeler le sélacante le fossile vivant et on arrête même de dire le sélacante. Il y a trois espèces de sélacantes maintenant, dont une qui n'a pas, euh, pas encore été officiellement nommée. Et elle n'a pas été officiellement nommée parce qu'il n'y a qu'un spécimen, comme je le disais tout à l'heure, et que ce spécimen, apparemment, il est bien, bah, s'est fait charcuter euh, littéralement, puisqu'apparemment, il a été pêché pour être bouffé. <laughs> Donc, il a un peu été changé en steak. Donc, déjà, on, on apprend au passage que le selacante euh, est comestible, <laughs> euh, enfin, que manger du selacante c'est possible. Et d'autre part, on apprend aussi que, bah, que du coup, euh, les, les découvertes scientifiques se font beaucoup sur les étals de boucher. Mais ça, c'est quelque chose que j'avais déjà présenté dans ma vidéo sur la cryptozoologie. Euh, donc voilà. Et, cette, euh, et vous voyez donc que le, ici, vous avez donc cette nouvelle espèce indonésienne comparée au sélinquantes euh, indonésien. Et là, on a un âge de divergence calculé entre les deux qui est d'environ 12 à 13 millions d'années. Donc 12 à 13 millions d'années, c'est plus que ce qui nous sépare des chimpanzés. Hein. C'est quasiment deux fois plus de temps que ce qui nous sépare des chimpanzés. Donc au cas où vous vous demandiez, oh, c'est juste un autre sélacanth indonésien Non, non. Il y a vraiment une distance génétique entre ces céléacants indonésiens qui est gigantesque. Donc euh, et tout ça, ça nous apprend au final que les céléacants, ils ont connu une radiation évolutive au Cénozoïque, donc une, une grande diversification au Cénozoïque, euh, ce qui est complètement le contraire de ce qu'on devrait voir chez ce qu'on appellerait un fossile vivant. Donc voilà, on arrête d'appeler le sélacanthe un fossile vivant. Maintenant, on dit les sélacantes et les sélacantes sont euh, très diversifiés. Et je souligne au passage que c'est une découverte qui a été faite euh, avec euh, des chercheurs français. Donc vous euh, voyez ici David Mouillot, Emmanuel Paradis par exemple, euh, qui nous viennent de l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier et de... L'Ifremer de Montpellier. Donc, on leur dit bravo et on leur dit un grand merci pour cette belle découverte. L'article suivant, c'est un article un peu plus controversé. qui a. C'est un article que vous n'avez peut-être pas vu passer. Alors, c'est aussi dans la revue Scientific Report, comme pour le Célacante, Donc, euh, revue Scientific Report qui... qui est une succursale de Nature, donc du prestigieux magazine Nature. Donc, bon, c'est quand même à prendre au sérieux. Euh, mais celui-là, il a été quand même un peu plus controversé c'est un article qui donc pour la première fois enfin qui a été vendu comme étant la première reconstruction euh, précise de l'anatomie de autodus mégalodon donc le fameux mégalodon. donc ça, voilà à peu près la silhouette euh, qu'ils reconstruisent pour autodus mégalodon et la grande question c'est comment ils arrivent à ce résultat. Euh, et c'est là qu'il y a controverse. Bon, déjà, il y a controverse parce que ça, ça a été vendu comme étant euh, ça y est, on sait enfin à quoi ressemblait Mégalodon. Non, on ne sait toujours pas à quoi ressemble Mégalodon. Euh, là, pour le coup, bah, c'est une fois de plus les services de communication, hein, les médias euh, qui se sont un peu emballés. Euh, non, on ne sait pas à quoi ressemblait Mégalodon. On, ils ont fait une estimation à partir d'une observation relativement simple qui est que mégalodon est un lamniforme donc c'est un requin qui appartient à la famille des lamniformes et les lamniformes de grande taille ils ont tous à peu près la même tronche donc si on arrive grosso modo à quantifier comment euh, qu'on arrive à quantifier la forme la silhouette générale de ces lamniformes et vous voyez c'est ce qu'ils ont fait là à partir de, de ce qu'on appelle des landmarks donc ils ont utilisé des, des points de repère et ils ont utilisé des méthodes statistiques pour reconstituer voilà, les principaux éléments de la silhouette. Vous voyez l'aileron dorsal, vous voyez la queue, tout ça. Ils ont utilisé un, un, un protocole statistique pour arriver à reconstituer les, principaux, euh, les, les principales parties du corps de mégalodon à partir de ce qu'on sait des lamniformes modernes. Et partant de là, ils proposent cette hypothèse. Et cette hypothèse, donc vous voyez, il y a encore ici tout un tas de mesures qui ont été faites. Et à sur les lamniformes modernes, et à partir de ça, ils extrapolent au mégalodon. Voilà. Donc ça, c'est une hypothèse faite à partir de l'observation des lamniformes modernes. On a, une, on a toujours aucune idée de ce à quoi ressemblait mégalodon. Donc euh, là, les couleurs, c'est pareil. C'est pas de la fantaisie. Ils, ont, ils ont raisonnablement fait l'hypothèse qu'il y avait un, ce qu'on appelle un, un counter shading, donc euh, une ombre, un ombrage contraire, à savoir que c'est le dessus qui est plus sombre que le dessous, parce que bah, quand on est dans l'eau, quand les animaux nous voient du dessous, on est blanc, et quand les animaux vous voient du dessus, on est noir. Et c'est vachement, vachement plus pratique pour le camouflage d'avoir ce, ce genre de contre-ombrage. Euh, je suis pas complètement sûr de comment on traduit counter-shading. Peut-être que si quelqu'un sait, il peut l'écrire dans les commentaires, ça m'aidera beaucoup. <laughs> ça, ça augmentera ma culture. Euh, mais voilà. Donc ils font une hypothèse raisonnable de ce à quoi ressemblait Mégalodon. Et le problème que les gens ont, le problème que les gens ont eu avec ça, parce qu'il y a vraiment des sauts de merde qui ont été déversés sur cet article, euh, c'est que, bah, que, que ça a été survendu en fait. Ça a été survendu comme ça y est, on sait à quoi ressemble Mégalodon. Non, on ne le sait pas. Voici une hypothèse, elle demandera à être testée dans le futur quand on découvrira un jour peut-être, pourquoi pas, un squelette complet de Mégalodon, voire même, pourquoi pas, encore mieux. Des, des tissus mous de mégalodon préservés. Bon, c'est pas de demain à veille que ça arrivera probablement, mais qui sait, <laughs> qui sait, qui sait. Il, y a bien, il me semble qu'il y a bien un, un privé, un, un chercheur de, de fossiles privés qui prétend avoir un squelette de mégalodon complet. Donc euh, ça se trouve ça existe, hein voilà. Mais c'est juste une hypothèse basée sur des mesures, sur des stats. Voilà, c'est pas, euh, pas, une découverte nouvelle, on va dire. c'est juste, juste une hypothèse. Et au final, cette hypothèse, elle n'est pas vilaine, on arrive à une taille estimée de mégalodon de 16 mètres, donc ça reste raisonnablement dans les clous de ce qui avait été déjà proposé récemment. Donc ça ne méritait pas de se prendre les sauts de merde qui se sont pris sur la gueule, c'est... Voilà, c'est tout, c'est joli, c'est élégant, et puis bon, bah après, c'est pas factuel, quoi, voilà, c'est hypothétique. On continue avec une découverte qui m'a beaucoup beaucoup euh, secoué moi et j'avais envie de le partager avec vous, c'est la découverte du chromosome Y de Néandertal. Parce que j'ai appris avec cet article qu'on n'avait jamais vu de chromosome Y de Néandertal. Donc déjà, on s'assoit <laughs> tranquille, ça fait déjà plus de dix ans maintenant qu'on connaît le génome entier de Néandertal, on vient seulement de découvrir le chromosome Y. Donc jusqu'à présent, c'est ce qu'il raconte là-dedans, dans cet article, jusqu'à présent, ce qu'on avait découvert, c'était quasiment que des femelles. Ou alors, on a trouvé des mâles, mais euh, le, le génome n'était pas suffisamment bien préservé euh, pour, pour lire le chromosome Y. Donc c'est la première fois qu'on arrive à séquencer les gènes du chromosome Y de Néandertal. Et ça, c'est ouf. <laughs> ça, déjà, c'est ouf, parce que je ne savais même pas, moi, qu'on ne l'avait pas, le chromosome Y de Néandertal. Donc vous imaginez que toutes ces hypothèses qu'on a pu faire par ci et par là... Euh, sur euh, qui s'est hybridé avec qui, est-ce que c'est des mâles néandertales avec des femelles humaines ou des femelles humaines avec des mâles néandertales, tout ça, c'était sans savoir à quoi ressemblait le chromosome Y de Néandertal. Donc, autant dire, euh, j'ai pas envie de dire que c'était du pipeau, c'était des hypothèses raisonnables avec les données accessibles à l'époque, mais autant dire que maintenant qu'on sait à quoi le, le chromosome Y de Néandertal ressemble, autant dire que c'était quand même de, un grand coup de dé. Voilà. C'était vraiment un grand coup de dé, un grand coup de. On va, on va voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Quoi. Et donc maintenant, on l'a, le chromosome Y. Et ce qu'ils ont découvert, ce qui est assez formidable, donc déjà, ils n'ont pas qu'un seul Néandertal, ils ont réussi à en avoir plusieurs, ce qui est plutôt cool. Ils l'ont comparé à Denisova et ils l'ont comparé à Homo sapiens. Et donc, ce qu'ils ont découvert, c'est que le chromosome Y des hommes de Néandertal, ici en bleu, n'est pas proche de celui des Denisoviens comme on pourrait s'y attendre, parce que normalement, Néandertal et Denisova sont très proches parents. Je veux dire, tout le reste de leur génome nous crie qu'ils sont proches parents. Mais non, le chromosome Y, lui, de Néandertal, il est plus proche de celui de Homo sapiens. Et ça, ils s'y attendaient pas du tout. Ce qui veut dire, selon eux, qu'en gros, vous avez la branche qui mène à Homo sapiens, vous l'avez la, la branche qui mène à Néandertal et à Denisova. Et le chromosome Y, en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris la branche Homo sapiens et... Il aurait sauté à Néandertal euh, à un moment, il y, a entre, euh, il y a entre ils disent. Alors, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a entre 100 000 et 300 000 ans. Donc, déjà, Homo sapiens n'était pas forcément sorti d'Afrique à l'époque, donc on ne sait pas trop comment ça se, ça se serait fait, mais en gros, il y a entre 100 000 et 300 000 ans, Homo sapiens et Néandertal auraient, euh, auraient euh, fait des, des enfants ensemble et le chromosome Y. Euh, ce serait transmis à Néandertal donc voilà, il y aurait eu il euh, y aurait eu quéquette et il <laughs> y aurait eu transfert de, du, de, du chromosome Y à une population de Néandertaliens qui l'aurait ensuite et là c'est là qu'il faut s'accrocher il euh, y aurait eu un événement d'hybridation qui aurait transmis le chromosome Y à Néandertal qui aurait ensuite transmis ce chromosome, enfin une petite population de Néandertal qui aurait ensuite transmis ce chromosome à tous les autres Néandertaliens donc euh, on ne sait pas à quelle vitesse ça a eu lieu, on ne sait pas dans quelles conditions ça a eu lieu, on ne euh, sait pas non plus pourquoi ce chromosome Y d'un seul coup se serait répandu dans la population. Enfin je veux dire, il aurait dû, se, il aurait dû gentiment se diluer en fait, ce chromosome Y. Et il ne s'est pas gentiment dilué, il, euh, il s'est complètement répandu et est devenu le chromosome dominant. Donc le chromosome Y est devenu le même. Euh, que celui d'Homo sapiens de l'époque. Euh, notre chromosome Y est encore différent de celui de l'Homo sapiens d'il y, euh, y a entre 300 000 et 100 000 ans. Hein. Euh, C'est pas le même que, ce, que le chromosome Y qu'on a aujourd'hui. Mais en gros, voilà l'idée. Voilà la grosse idée. Euh, C'est qu'il y aurait eu un événement d'hybridation dont on n'avait aucune idée ju jusqu'à présent, qui a eu lieu à une époque où on ne savait pas que Homo sapiens et Néandertal pouvaient se fréquenter et pourtant, <laughs> et ben ça a marché quand même. Donc, évidemment, comme ce scénario est moyennement satisfaisant, il propose quand même un scénario alternatif, un scénario alternatif qui est que, en fait, c'est le chromosome Y de Denisova qui vient de ce qu'on pourrait appeler un polymorphisme de base, c'est-à-dire qu'en gros, Denisova a, a hérité d'un chromosome Y qui est très primitif, euh, issu en fait d'un polymorphisme du chromosome Y qui était présent chez l'ancêtre en commun de Denisova, Néandertal et euh, Homo sapiens. Et dans ce cas-là, ça expliquerait aussi pourquoi le chromosome de Denisova est si différent. En fait, dans, la, dans, dans, le, dans le scénario alternatif, voilà, pour enlever tout le jargon, on va, on va la refaire sans jargon. En gros, au lieu de dire que c'est Néandertal et Homo sapiens qui ont le même chromosome Y, le scénario alternatif, c'est de dire qu'en fait c'est Denisova qui a un chromosome Y super différent. Et que celui de Néandertal est et, et, et du coup... Celui de Néandertal et Sapiens paraissent être vachement similaires, alors qu'ils ne le sont pas spécialement. C'est juste que c'est Denisova qui est complètement pété. Voilà. Et ça, à la limite, au niveau du registre fossile, ça colle un peu mieux. Mais bon, je rappelle quand même que Denisova, on en sait que dalle. À part ses gènes, on sait rien de Denisova. On a très très peu de matériel fossile. Donc, euh, je rappelle juste que le de registre fossile, il a aussi ses lacunes et que bon. Donc, on verra. Ce que dit le futur à propos de ça. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi sur cette image, je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit mieux, mais il y a aussi l'ADN mitochondrial qui est représenté en forme de rond. Et l'ADN mitochondrial, donc lui, il est transmis de façon matrilinéaire, c'est-à-dire qu'il est transmis par la mère. Et donc on voit qu'il y a aussi des échanges d'ADN mitochondriaux entre tous, ces, entre tous ces gens. Donc il y a à la fois des mâles et des femelles, sapiens et non sapiens, qui, euh, qui se sont hybridés dans tous les sens. C'est formidable, c'est grandiose. C'était la grande partouze du Pléistocène. <laughs> la GPP, la grande partouze Pléistocène. <laughs> J'ai un copyright sur cette expression. <laughs> si, vous, si vous voulez la réutiliser, je le saurai. <laughs> Mais c'est super intéressant comme découverte. Et puis bah voilà, c'est ce genre de découverte magnifique qui pose plus de questions qu'elle n'en qu répond. Ça veux dire tu sors de là, tu crois que tu connais. Maintenant on connaît le gène de le, les chromosomes, enfin maintenant on connaît le chromosome Y de Néandertal, tu crois qu'on va résoudre tous les mystères du monde. Eh ben non. <laughs> en fait, le chromosome Y de Néandertal, il ressemble plus à celui de sapiens et du coup ça fout la merde. C'est prodigieux. <laughs> C'est prodigieux, moi j'adore. Sans transition, on part, on part vers mes petits chéris, les thérapsides. Les thérapsides, ce qu'on appelait autrefois et ce qu'on aimerait encore appeler les reptiles mammaliens. J'aime mieux le terme pré -mammaliens. Bref, ce sont les ancêtres des mammifères qui vivaient au Permien et au Trias, qui ne sont pas encore des mammifères, mais qui sont déjà bien engagés sur cette voie. Donc ces reptiles mammaliens, ces thérapsides, ils ont survécu à la plus grande crise biologique qui ait jamais eu lieu, la crise Permien-Trias, qui a eu lieu il y a 252 millions d'années. Donc, euh, cette crise Permien-Trias, 90% des espèces se sont éteintes, mais les ancêtres des mammifères y ont survécu. Donc, ces fameux Prémamaliens, et notamment les Cynodontes. Il y a aussi les ancêtres des dinosaures qui y ont survécu. Ben bah oui, hein, on est au début du Trias, euh, les, les dinosaures doivent encore régner. Hein. Ils sont encore appelés à régner. Donc, les Thérapsides, ils sont vachement super parce qu'ils ont survécu à la limite Permien-Trias. La grande question, c'est comment ils ont survécu à la Permien-Trias. Et là, en fait, cet article euh, qui nous vient d'une équipe australienne nous rapporte la découverte de cette section géologique, section géologique où on voit la limite Permien-Trias. Donc, limite Permien-Trias, ici, ce bon, qui... c'est pas comme la limite Crétacé-Tertiaire où on a une jolie couche d'argile noire dans la limite Permien-Trias. Là, on sait qu'elle est là parce qu'il y a une excursion isotopique. Donc, vous voyez le, la, la géochimie de la roche donc la chimie de la roche, parce que c'est la géochimie de la roche, c'est un pléonasme. Euh, la chimie de la roche, vous voyez, indique une énorme excursion carbone qui indique qu'il y a eu une grosse perturbation environnementale. Cette grosse perturbation environnementale, c'est la crise permien euh, Et ici, donc, on voit cette énorme excursion qui se situe à cet endroit au niveau de la roche. Et ici, ce que vous voyez en jaune, eh bien, ce sont des terriers, des terriers de petits synodontes. Et vous voyez donc ces terriers de synodontes, ils sont creusés ici. Alors, ce qu'on voit ici, c'est juste ce qu'il y a à l'affleurement. Hein. Mais ces, ces terriers de synodonte eh bien, ils indiquent que des synodontes euh, étaient présents non seulement avant, mais aussi après. Vous voyez qu'il y a des terriers avant et des terriers après. Euh, D'ailleurs, en fait, en réalité, non, c'est même pas qu'il y a des terriers avant et après, c'est qu'il y a des terriers après, mais qui coupent dans la limite Permien-Trias. Donc, en fait, c'est des terriers qui, qui montrent qu'en fait. Les terriers se sont vraiment faits juste après la limite Permien-Trias. Donc ils recoupent la limite Permien-Trias, ce qui suggère très fortement euh, que ces cynodontes, eh ils ont survécu à la limite Permien-Trias euh, grâce à leur capacité à faire des terriers, ce qu'on supposait déjà être le cas. Donc vous voyez la représentation ici d'un de ces terriers. On voit ici en pointillé représenter les traces de griffes de ces fameux cynodontes. Donc ce sont des, des petits fossiles très émouvants, puisqu'on arrive même à voir les traces d'activité des, des animaux qui les ont faits. Donc euh, c'est vraiment super intéressant comme découverte. Alors c'est que des preuves circonstancielles, évidemment, hein, ça ne démontre pas que les cynodontes ont survécu grâce au fait qu'ils faisaient des terriers, mais euh, même si c'est que circonstanciel, c'est quand même une très forte suggestion que c'est bien la, la capacité à faire des terriers qui les a fait euh, survivre. Sachant qu'on pensait déjà ça avant même d'avoir découvert ça. Je veux dire, c'était déjà l'hypothèse dominante que c'était la capacité à faire des terriers qui avait permis aux synodontes de survivre. Pareil pour les lystrosaures. Les lystrosaures, on a beaucoup de preuves que lystrosaures était capable de faire des terriers et les c'est aussi de, une de c'est ces, même une des seules espèces, enfin des, un des seuls genres dont on sait qu'il a traversé la limite permien Donc euh, on pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu pour le coup c'est une hypothèse raisonnable et qui mérite d'être explorée dans le futur. En tout cas, là, c'est la première preuve, même si elle n'est que circonstancielle, c'est la première preuve qu'en tout cas, il y avait des synodontes qui, durant la limite Permien-Trias, faisaient des tailles. On continue toujours dans le Trias avec maintenant l'annonce... La... Alors, a... Alors, ce qui a été annoncé, on va dire, c'est la découverte d'une nouvelle extinction de masse, donc la fameuse sixième extinction de masse, euh, qui, aurait... qui serait survenue à la fin du Trias... Et qui aurait ouvert la porte à la diversification des dinosaures. Donc, ce qui a dû vous surprendre probablement, c'est puisque jusqu'à jusqu'à maintenant, on pensait que c'était plutôt l'extinction triassique jurassique enfin Trias-Jurassique, qui avait permis la diversification des dinosaures. Donc là, de savoir qu'il y a une extinction qui a eu lieu euh, au Carnien, donc c'est-à-dire à au milieu, on va dire, de la fin du Trias, ça repousse un petit peu, on va dire, le, enfin ça découple l'extinction trias jurassique de la diversification des dinosaures. Ça veut dire que la diversification des dinosaures a eu lieu avant la limite trias jurassique. Donc, euh, et ça a été annoncé comme étant la nouvelle euh, extinction de masse. Une nouvelle extinction de masse vient d'être découverte et c'est elle qui a permis aux dinosaures de, de prendre leur envol. Donc ça a été publié dans Science Advances qui est au journal qui est au prestigieux journal Science ce que Scientific Report est au prestigieux journal Nature, c'est une petite euh, succursale c'est un, un petit sous-produit on va dire Donc, mais ça reste assez prestigieux euh, et on y retrouve Michael Benton dans la liste des co-auteurs donc Michael Benton qui, qui est l'auteur de tous les livres sur les dinosaures qui ont pu bercer votre enfance et s'il n'est pas, s'il n'en est pas l'auteur, il, il y a forcément contribué. Et si vous n'avez lu aucun livre dans lequel euh, il y avait des dinosaures dedans, vous avez forcément vu sur la Terre des dinosaures. Euh, et il a été un des conseillers scientifiques sur, dans, sur la Terre des dinosaures. Donc, votre enfance a été forcément bercée à un moment ou à un autre par un produit culturel issu plus ou moins de Michael Benton. Voilà, euh, c'est vous dire le, le monsieur envoie du lourd. Voilà, c'est juste là où je veux en venir. Euh, et donc, cette nouvelle euh, extinction au carnien, bah déjà, elle est intéressante parce qu'elle a lieu pendant ce qu'on qu appelle le carnian pluvial épisode. Le carnian pluvial épisode, c'est en gros, un, encore une fois, c'est une excursion isotopique qu'on remarque euh, pendant le carnien, euh, c'est-à-dire il y a entre 234 et 232 millions d'années, hein, puisque c'est écrit là. Donc, cette excursion isotopique, euh, je crois que c'est un isotope de l'oxygène, s'il me semble. Euh, non d'ailleurs il y a aussi des isotopes du carbone, c'est d'après ce que je vois là donc bref c'est un, un, une excursion isotopique qui indiquerait qu'en gros il y a eu beaucoup d'eau douce partout en même temps et pendant très longtemps et un tel apport d'eau douce ça peut pas être juste une rivière, puisque une rivière ça reste quand même un événement localisé, même une inondation ça reste un événement localisé, donc c'est forcément de l'eau de pluie et, euh, et cette eau de pluie, elle a donc changé les ratios isotopiques de la roche au, au courant du carnien, et ça a duré pendant plusieurs millions d'années. Vous euh, voyez, là, le, on, on est sur à peu près 2 millions d'années. Donc, euh, vous imaginez des pluies torrentielles s'abattant sur, euh, sur la Terre pendant 2 millions d'années. Alors, le problème, c'est qu'on ne voit pas ce, 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 cet épisode pluvial. Je crois qu'ils l'ont enregistré qu'en Amérique du Sud, si je ne me, si me trompe pas, peut-être en Europe du Nord. Mais euh, voilà, il ne s'enregistre pas partout, on va dire. Donc, il y avait quelques doutes sur est-ce que cet épisode carnien était vraiment aussi généralisé que ça. Bon, euh, mais là, en gros, ils ont l'air de. Ce qu'ils disent dans cet article, c'est que euh, cet épisode euh, pluvial carnien s'accompagne aussi d'une extinction. Donc, une extinction au niveau des, euh, des, des invertébrés. Donc, ici, vous voyez des. Euh, les les amonoïdes, par exemple. Ici, vous avez des conodontes qui sont, bon, qui sont encore des invertébrés, bien qu'ils soient plus proches des vertébrés, mais voilà, on, va, on va les mettre dans la catégorie invertébrés juste pour faire plus simple. Et qui s'accompagnent euh, d'une extinction aussi au niveau, des, euh, hop, au niveau des plantes. Donc, ici, vous avez Benitital, euh, les, les, les Matoniacées. Je, je suis nul en paléobotanique, <laughs> j'annonce tout de suite voilà, les, les fameuses volzia les, les voldia qu'on retrouve dans le trias d'europe, euh, elles, elles en, apparemment, elles prennent cher. Euh, en tout cas, on retrouve beaucoup moins de pollen après qu'avant cet épisode cardien. donc, euh, épisode cardien qui est ici souligné, surligné en rouge. Euh, d'ailleurs, qui se trouve entre un étage qui s'appelle le julien, voilà. <laughs> et le tuvalien. <laughs> Mais bref, euh, donc voici cet épisode euh, pluvial, voici la fameuse excursion isotopique dont je vous parlais d'ailleurs, bah, c'est un isotope du carbone, donc voilà, c'est confirmé. Donc excursion isotopique au carbone, euh, courbe de paléotempérature avec des variations de température, donc apparemment des températures beaucoup plus chaudes après qu'avant l'épisode carnien. Et on a donc ces extinctions de plantes, on a extinction de, de quelques invertébrés, et on a apparition, vous voyez, des dinosaures pendant l'épisode carnien. Vous voyez qu'avant ça, il y a quasiment pas de. on ne retrouve quasiment aucun dinosaure ou dinosauriformes pour le coup. Et d'un seul coup, ils apparaissent au carnien et deviennent relativement nombreux. Et, euh, et c'est aussi par là qu'apparaissent euh, certains crocodilomorphes, enfin pas crocodilomorphes, mais euh, archosauriformes, pardon, comme les phytosaures. Euh, les sphenodontes, c'est aussi là qu'ils vont prendre leur essor, bien qu'ils étaient là euh, avant. Les sphenodontes, ils vont commencer à prendre leur essor. Et, euh, et c'est peu de temps après ça, en gros, que va se passer l'extinction de la plupart des, des thérapsides, et notamment des dicynodontes qui avaient survécu, et de beaucoup d'autres groupes qui ne sont pas des mammifères, on va dire. Donc, euh, donc ça coïncide pas parfaitement avec l'épisode pluvial carnien mais ça ça participe quand même apparemment donc voilà ce qui se serait passé à cet épisode pluvial -carnien. Euh, Bah les petits reproches qu'on peut faire euh, là dessus c'est que c'est que c'est que bah, déjà dans, parmi les ils font, on va dire que dans l'article ils font vraiment une, une grosse fixation sur les insectes or le registre fossile des insectes c'est pas exactement ce qu'on a de, de plus riche et de plus. Euh, Comment dire Et de plus fiable. Euh, que là, là, au niveau des vertébrés, vous avez certainement remarqué que c'était pas non plus... Enfin, il y, y a OK le début de la diversification des dinosaures, il y a OK plus ou moins l'extinction des Dicinodontes, des mais c'est pas, euh, pas non plus absolu. Je veux dire, l'Isovikia, par exemple, euh, l'Isovikia qui est le, le plus gros Dicynodonte jamais trouvé, il vient du Norien, si... Euh, si je ne m'abuse, donc c'est un des tout derniers Dicynodontes qui a survécu, donc euh, des, encore dans le Norien, on avait toujours des, des, des Dicynodontes, donc la, la on va dire que la, la corrélation n'est pas parfaite, vous avez des groupes euh, qu'ils qu ont ajouté dans ce graphique euh, dont on n'a rien, niveau registre fossile, donc les tortues et les mammifères, on n'a aucune idée de ce qui se passe à ce niveau-là, euh, on a des points, voilà, on a Odontokellis par exemple, euh, qui correspond au Carnien, mais est-ce que ça veut dire qu'ils étaient en voie de s'éteindre Est-ce que ça veut dire qu'ils étaient en voie de diversification On ne sait pas. Pareil pour les mammifères. Euh, ils ne parlent pas des cynodontes, mais les cynodontes, c'est pareil, il ne se passe rien de particulier au niveau des cynodontes. Et puis, ben, comme je disais, vous avez ici, vous avez les crocodilimorphes, les, les, les phytosaures, les sphénodontes. C'est pareil, c'est pas très très, euh, la coïncidence n'est pas flagrante, voilà, on va dire. Euh, donc, est-ce que c'est -ce est vraiment tellement un épisode d'extinction que ça Appeler ça une extinction de masse, c'est peut-être un peu fort. Appeler ça l'événement qui a permis aux dinosaures de se diversifier, il y a coïncidence Y a-t-il corrélation Point d'interrogation. Voilà. Donc, encore une fois, il faut être prudent par rapport à ces effets d'annonce. Petite découverte sympa maintenant, enfin, petit. Donc publié une fois de plus dans Scientific Reports de, de la revue Nature, c'est euh, évidemment je ne peux pas en parler sans, sans vous donner l'impression que ça enfonce une porte ouverte mais en gros ça vous c'est une étude qui montre que la plume d'Archaeopteryx appartient bien à Archaeopteryx voilà donc c'est dur à rendre <laughs> c'est dur à rendre exceptionnel comme découverte dit comme ça mais en gros il y avait cette première plume d'archéoptéryx qui avait été la toute, 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 toute première découverte au, au milieu du XIXe siècle, qu'on a découvert avant de découvrir les squelettes. Donc, c'est elle, le spécimen, qui, est, qui sert de référence à archéoptéryx Et quand on a découvert, donc, les, euh, les autres spécimens d'archéoptéryx euh, donc les, les squelettes, cette fois, eh bien, on a... On a Naturellement, on s'est naturellement dit que bah, la plume devait leur appartenir, donc c'est la même espèce, donc c'est Archaeopteryx. Sauf que, sauf que, bah, peut-on dire réellement que cette plume appartient à Archaeopteryx Eh bien, ils ont fait euh, tout un tas d'études, donc notamment des, des, des mesures, des, des comparaisons avec les, tous les spécimens connus d'Archaeopteryx sur lesquels les plumes sont préservées. Donc, vous avez notamment le, le fameux spécimen de Londres, si je me rappelle bien. Il doit y avoir le spécimen de Berlin, le spécimen de Munich, de toute façon c'est écrit dessus, un hein? London spécimen, donc voilà, le spécimen de Maxberg. Donc tous ces spécimens préservent des plumes, et non seulement ils ont pu dire oui, cette plume appartient bien à Archaeopteryx, mais en plus ils ont pu reconstituer exactement à quel endroit elle s'insère. Et ça c'est quand même cool. Tout va bien, c'est bon, il n'y a pas de raison de penser que cette plume appartient à autre chose qu'Archéoptérix. Et c'est une question qui pouvait légitimement se poser dans la mesure où certains spécimens d'Archéoptérix ont été attribués à des genres différents. Euh, donc certains Archéoptérix ne sont peut-être pas des Archéoptérix, d'ailleurs. Mais voilà, donc euh, sachez qu'il y a encore beaucoup de débats là-dessus, mine de rien. Donc c'était important de le préciser. Et puis, puisqu'on parle de plumes, puisqu'on parle de plumes, vous vous rappelez certainement de cette étude de 2018, si je ne m'abuse, donc il y a deux ans. Euh, qui nous annonçait fièrement la découverte de plumes, donc vous voyez des petites euh, protoplumes comme ça euh, chez un ptérosaure, donc un petit ptérosaure de la famille des Anurognathidae, Donc voilà à quoi devait ressembler le ce c'était pas très joli, ça ressemble plus à un gremlin volant qu'autre chose, mais voilà, ils ont découvert ces petites euh, protoplumes euh, qu'ils appellent pycnofibres, juste pour pas appeler ça des protoplumes, euh, mais bon. Euh, bref, ils ont découvert toute une variété d'ailleurs de, de morphologie de ces protoplumes. Euh, vous pouvez voir, donc certaines qui sont plutôt pénacées, d'autres qui sont plutôt très filamenteuses, comme des petites touffes de poils, et certaines qui ressemblent juste à des poils tout simples. Donc euh, tout ça euh, a indiqué très fortement que les ptérosaures donc avaient des poils, euh, ce qu'on n'avait pas vraiment... Enfin, euh, ce, ce qui existait dans la littérature depuis les années 70, l'idée que les ptérosaures avaient des, des, des protoplumes, mais, euh, ou des poils, parce que, évidemment, pour les ptérosaures, on ne savait pas trop si c'était des poils ou des plumes, mais en gros, euh, ça existait depuis les années 70 à la découverte d'un spécimen au Kazakhstan. Mais en gros, depuis, euh, c'était un peu resté en stand-by. Et cet article de 2018 avait revigoré cette idée. Et ils avaient fait cet arbre phylogénétique dans lequel ils comparaient, évidemment, les dinosaures d'un côté, donc là, les saurisquiens, là, les ornithischiens, et ils comparaient ça aux ptérosaures, et en gros, ils en venaient à la conclusion que bah, même, si chez certains, euh, même si chez certains ptérosaures, on ne trouve pas de, de protoplumes préservées, il est quand même très probable qu'à la base, l'ancêtre euh, des dinosaures et des ptérosaures, donc l'ancêtre des avémétatarsaliens, avait lui aussi des plumes. Donc euh, l'idée selon laquelle tous les dinosaures avaient des plumes, et même l'ancêtre commun des dinosaures et des ptérosaures qui avaient des plumes, elle vient de cet article-là essentiellement. Voilà. Donc, même si on ne trouve aucune plume, vous voyez que c'est pas la peine de me sortir dans les commentaires oui, mais tel dinosaure, on sait de source sûre qu'il n'a pas de plumes et machin. De... Oui, c'est pris en compte dans cette analyse. C'est bien là la puissance d'ailleurs de cette analyse. C'est que ici, vous voyez en noir, c'est tous ceux qui ont des écailles et uniquement des écailles. Et vous voyez que là, en noir, vous voyez ces, euh, toutes ces espèces-là, dont on sait de source sûre qu'elles ont des écailles, elles sont aussi dans cette analyse. Mais le fait est que, généralement, les espèces basales d'ornithischiens, par exemple, donc comme Coulinda dromaeus, euh, par exemple, ou euh, Tianyu long confusiusi, donc euh, les espèces basales d'ornithischiens, possèdent des plumes. Ou Psittacosaurus, ici, encore une espèce basale, possède aussi des plumes. Ici, du côté des Saurischia, on a beaucoup d'espèces basales de théropodes dont on sait qu'elles ont des plumes, comme Surimimus, comme Surimimus, par exemple, euh, qui, même si on, en fonction de où on l'accroche dans l'arbre dans des théropodes, reste une espèce relativement basale, quelle que soit la place qu'on lui accorde. Vous avez les espèces basales de Tyrannosauridés, comme Tyrannus et Dylong, qui ont aussi des, des plumes. Donc, même, le, même si on sait que quasiment aucun sauropode, même aucun sauropode pour, pour, pour autant, autant qu'on sache, n'avait de plumes, bah ça ne change rien au résultat du fait que les sont l'ancêtre commun des sauriskiens et reconstitué comme ayant eu des plumes. Là, ils ont même poussé le vis jusqu'à euh, avoir différents types de plumes, donc les monofilaments qui sont des, des poils, ceux qui ressemblent à des brosses, ceux qui euh, ont une petite touffe au bout, donc le... le, le enfin non... Ouais, ceux qui ressemblent à des brosses, donc c'est le type 3 ici. Ceux qui ont une petite touffe au bout, c'est le type 4. Euh, et ceux qui ont le 5 et 6, bah, c'est les plumes d'oiseaux, les vrais, on va dire. 5 et 6, c'est les vraies plumes d'oiseaux euh, qui sont ici. Voilà, 5 et 6. Donc les plumes de duvet et les plumes de vol. Enfin, celle-là encore, elle est symétrique, donc c'est pas vraiment une plume de vol. Ils n'ont pas poussé le vis jusqu'à inclure les plumes asymétriques. De toute façon, on sait très bien où elles auraient été, ces plumes asymétriques. Elles auraient été ici avec les oiseaux. C'est une reconstitution phylogénétique, avec, euh, utilisant une méthode, il me semble, probabiliste, bayésienne, bayésienne ou maximum de, de vraisemblance. Donc quoi qu'il a. Ouais, voilà, c'est ça. Maximum de vraisemblance, ici, je vois. Donc, euh, c'est une méthode probabiliste basée sur des stats. Je veux dire, c'est quand même un peu plus puissant que notre petit cerveau. Il <laughs> faut, faut dire ce qui est. Et ça inclut tous les cas où il y a des écailles chez les dinosaures. Donc, ce n'est pas la peine de venir me faire le la leçon dans les commentaires que tous les dinosaures n'avaient pas des plumes, euh, on sait que tous les dinosaures n'avaient pas des plumes, eux le savent aussi, mais par contre, l'ancêtre en commun des théropodes, l'ancêtre en commun des ornithischiens, l'ancêtre en commun des dinosaures, et même l'ancêtre en commun des ptérosaures et des dinosaures, très probablement, avaient des plumes. Ça, c'était la conclusion de 2019. Mais, il y a un article qui vient de sortir, donc cette année, bon, il sort un peu à la bourre, qui est une réponse à cet article-là, euh, qui s'appelle... Pas de protoplumes chez les ptérosaures, donc au cas où depuis tout à l'heure vous vous excitez sur le fait que j'appelle ça des protoplumes, voire des plumes tout court, voilà, c'est eux qui appellent ça comme ça, c'est les spécialistes qui appellent ça comme ça. Hein. Moi je suis pas spécialiste des dinosaures ni des protoplumes, pas du tout, euh, mais voilà, c'est les spécialistes appellent ça des protoplumes. Je, je connais le mot pycnofibre, je trouve ça, je trouve ça difficile à écrire et je trouve ça difficile à prononcer. Je préfère protoplume, voilà. Donc, bref, eux, ils disent pas de protoplumes chez les ptérosaures. Et euh, leur, grande, euh, leur grand argument contre la présence de protoplumes chez les ptérosaures, c'est qu'en gros, euh, ce qu'on voit, enfin, ce qu'on verrait et qui aurait été interprété par cet article de 2018 comme des protoplumes, en fait, ce serait des genres de. de, de bah, c'est ce qu'ils appellent des actes. Des actinofibriles, des actinofibres, c'est en fait du produit de dégradation de, de certaines molécules euh, qui se trouvent dans la peau et qui forment des genres de filaments. Et ces filaments, en se fossilisant, en fait, ça ressemble à des filaments de, de protoplumes. Voilà. Donc après, ils peuvent s'organiser de différentes façons en donnant des petites touffes ou en donnant des trucs pénacés ou en donnant des, des, petits, euh, des, des petits machins qui ont une touffe au bout. Enfin bref, ça ressemble à, aux, trois, aux cinq types. Enfin, au, au moins aux trois premiers types de, de protoplumes qu'on a vus tout à l'heure. Donc euh, eux, ce qu'ils disent, c'est que ce seraient éventuellement des actinofibrilles Et ils disent non, non, pas de protoplumes chez les euh, ptérosaures. Bon bah, ce à quoi les auteurs de l'étude originale euh, de, de 2018, d'ailleurs j'ai dit 2018, mais apparemment c'est 2019, pardon. Non, mais bref, euh, ce à quoi les, les auteurs de l'étude originale ont répondu dans un article sobrement intitulé « Réponse A, pas de protoplume chez les ptérosaures ». D'ailleurs, euh, je souligne au passage que toute cette dispute, elle a lieu dans le journal Nature Ecology and Evolution, donc une autre succursale du journal euh, Nature. Donc c'est pareil, ça c'est de la dispute euh, publique euh, à, à, avec comité de lecture et à très haut euh, facteur d'impact. Hein, on se tire dessus en… En grand comité, quoi. Voilà, c'est réunion chez l'ambassadeur et puis on amène le bazooka, <laughs> en gros pour dire ainsi. De nouveau Benton, tenez, c'est vraiment un, un Paleo News placé sous le signe de Michael Benton. Euh, bref. Et donc dans cet article, ils il répondent à ces gens que, en gros, voici un des spécimens qu'on a étudié, voici les pycnofibres et voici les actinofibrilles. Nous savons très bien à quoi l'actinofibril ressemble. Nous savons très bien la différencier des pycnofibres. Allez-vous faire voir. Voilà, c'est leur réponse. Hein. Je veux dire, vous voyez, ça prend deux pages, mais ça... mais ça se résume en... On sait très bien faire la différence entre des pycnofibres et de l'actinofibril, merci. On n'est pas des crétins et on n'a pas fait cette bêtise. Voilà, nous n'avons pas fait, nous n'avons pas commis cette erreur et par conséquent, il y a bien des protoplumes chez les ptérosaures. <laughs> C'est ça leur réponse. Je suis pas spécialement, euh, je suis pas spécialiste de la, de, de la question, mais bon, si eux me disent qu'ils sont capables, enfin qu'ils ont vu qu'il y avait des actinofibres et, et qu'il y avait des pycnofibres et qu'ils savent faire la différence, je ne vois pas de raison de, de douter de leur bonne foi. Voilà, c'était Paléo News. Je vous remercie de l'avoir suivi. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer d'anciens et à très bientôt.